Bonjour, bon mercredi à tous, madame, messieurs, c'est la revue des Grandes Unes. Ce matin encore, la nouvelle expression parle de marche pacifique avec le MRC qui tient son pari. C'est le titre proposé par le journal. Le journal explique que les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont tenu à descendre dans la rue malgré l'impressionnant déploiement des forces de défense et de sécurité à Douala, par exemple, entre ville morte et, bien entendu, arrestation. On parle des Bolova, le RDPC qui s'affrontent. On parle des Yaoundé, manifestations avortées et maltraitance des journalistes. Jean Diéga, qui parle également de ce qu'il a vu personnellement alors qu'il a fait le tour de quelques secteurs, quelques quartiers de la ville de Douala. C'est un dossier que je vous invite à lire de la page 2 à la page 5 de la Nouvelle Expression, qui parle aussi des droits de l'homme. Human Rights Watch soutient Kamto pour Lewis Mouch, directeur Afrique centrale de cette organisation. Le refus des manifestations pacifiques est donc un abus, c'est ce qu'on dit en page 3 du journal. Le journal parle du front de l'opposition avec Jean-Michel Nietzsche qui félicite le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le député de la Nation soutient que l'appel de Kamto n'était pas de renverser Biya et que le premier jour est donc déjà une réussite. C'est en page 3. On parle aussi de ce boycott, du boycott des régionales avec le Social Democratic Front qui répond à Jacques Famine Dongo, le secrétaire national à la communication du RDPC, avant de tourner en décision. Donc, le parti qui avait non seulement avait dit non donc aux élections régionales, le parti aujourd'hui lui sert une riposte. C'est ce qu'on lit en page 3 à page 9 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le quotidien Le Messager, pour sa part, parle de manifestations du MRC et alliés. Les marcheurs défient les abeilles, c'est le titre proposé par le journal. Ambiance du 22 septembre à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Mbanga, Loum, la police saute sur les manifestants. Les journalistes payent le lourd tribut, c'est le dossier à lire de la page 3 à la page 5 du journal ce matin. Le journal parle également de Jean-Michel Nitieu. Le peuple du changement a donné, a dominé donc la peur. Pour le député SIF, le rythme des manifestations pacifiques doit être maintenu. C'est ce que le journal dit en page 3 de ce numéro. Le journal est donc disponible en kiosque, tout comme le journal Le Jour, qui parle de marche. De quoi a-t-on peur? C'est une question des journalistes molestés. Par les forces du maintien de l'ordre, bien entendu. Reportage à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Tchang et Bafan de ce qui s'est déroulé donc, et concernant justement les journalistes, les hommes des médias. C'est dans le numéro de ce matin, quotidien Le Jour. Le Jour parle également du stade de Lembe. C'est OK désormais, donc on peut jouer les matchs de ce côté-là. C'est ce que le journal nous apprend également ce matin. Mutation parle de Yaoundé. La gueule de bois, c'est le titre proposé par le tabloïd avec d'autres éléments importants. Tant que je vous invite à lire ce matin, on parle bien sûr de Maurice Kamto séquestré à son domicile. Écho à Douala, Bafoussam, la chronique de Richard Macon à découvrir dans le journal de la page 3 à la page 10 du numéro disponible en kiosque qui s'intéresse aussi à autre chose. Je vous invite à parcourir le journal. Il parle de l'année scolaire 2020-2021 avec également des incertitudes donc de la rentrée. C'est le journal qui propose cette autre actualité ce matin. Le journal Émergence parle de Yaoundé. Comment Paul Biya a réussi à étouffer la marche de Kamto, c'est à découvrir dans le dossier de la page 4 à la page 5. Le même journal parle également de marche du MRC. Le sang a coulé à Douala. C'est à lire en page 4 ce matin du quotidien Émergence. Et l'autre journal disponible en kiosque, c'est l'Essentiel qui parle de mardi 22 septembre 2020. Le jour type avec une autre façon de qualifier en tout cas ce qui s'est déroulé hier au Cameroun, dans les grandes villes précisément. Et là, on peut lire aussi autre chose dans la presse ce matin. Le quotidien de l'économie qui est disponible s'intéresse à l'actualité économique que je vous invite à parcourir dans le journal ce matin. Tout comme les du Sahel qui parlent aussi des entreprises avec la Sodecoton, un ambitieux plan de relance à l'épreuve du Covid-19. C'est le journal qui donne cette actualité, qui donne cette information. Le même journal parle également de la région de l'Est Cameroun avec un élément du BI tué et 13 personnes en otage, Angoura et Ouli. Ce sont des localités de la région de l'Est Cameroun, notamment dans la localité citée ici, Angoura et Ouli par exemple, qui sont dans les localités où il y a encore, on parle toujours d'insécurité dans la région de l'Est Cameroun. Le journal Repair parle notamment des marches du 22 septembre, pillage des caisses publiques en première ligne. C'est le dossier proposé par le tabloïd pour dire combien on a dépensé pour cette opération sur le terrain de toute la journée d'hier. C'est le journal qui propose cette autre actualité. Le journal Cameroun Tribune de ce matin parle de marches illégales du MRC avec
avec un titre également pour rappeler simplement ce qui s'est déroulé aussi dans les grandes villes du Cameroun. C'est le dossier proposé par le tabloïd ce matin qui a également d'autres informations. Voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction ce mercredi matin. Thierry Niopé, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Dongo, bonjour également aux téléspectateurs de la revue des Grandes Lunes. Ce n'est pas tous les jours que je vous retrouve ici le mercredi, oui, mais c'est un plaisir d'être là, c'est l'essentiel. Voilà, donc avec vous nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse. Voyez-vous, c'est le même sujet qui fait le tour là, des tabloïdes. On parle de la marche, cette marche du MRC. La nouvelle expression parle du MRC qui tient son pari finalement. Oui, c'est vrai davantage pour ce qui est la ville du Douala, la métropole économique, mais ce n'est pas aussi vrai pour ce qui est la vie de la capitale politique, parce que j'ai séjourné hier durant toute la journée dans la ville, dans la métropole politique du Cameroun, où la vie a, où les uns et les autres ont vaqué suffisamment à leurs occupations. C'est vrai que l'euphorie n'était pas celle des grands jours. On a toujours vu des rues bondées, ça circulait quand même. Preuve que beaucoup de Camerounais sont restés à la maison parce qu'ils avaient peur justement de ce qui pouvait y arriver au regard du fort déploiement qui a été observé avant ce 22 septembre. Pendant ce 22 septembre, et on sait également que ce dispositif sera maintenu à croire le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense, M. Bétia Somon. Donc, il est clair que les Camerounais vivent pour l'instant la peur dans le ventre. Le pari a été relevé pour ce qui est la ville de Douala, et on a vu cela dans les images, mais également dans les reportages qui ont été servis aux populations, notamment par Equinox Télévision, où on a vu quand même la ville de Douala, notamment du côté de Ndokouti, du côté du Ange Raphaël, qui était considéré comme des épicentres. Mais dans les autres parties de la ville, quand même, les gens se sont terrés chez eux, on circulait, et avec quand même un fort déploiement de la police. Mais c'est un pari quand même relevé, parce que tout le monde se disait, ils ne vont pas descendre, ils ont quand même réussi à le faire. Maintenant, si vous le permettez, il faut quand même dire que vous avez vu la sortie de l'honorable Jean-Michel Nitieu, qui a salué la bravoure du professeur Maurice Kamto, qui est resté plus ou moins séquestré chez lui parce que interdit de sortir de son domicile, justement, à cause de cette... quand on parlait de répression, ça avait tout l'air, mais une chose est sûre, il est resté coincé, séquestré dans son domicile. Donc, il a réussi quand même le pari, ce qui nous demande que la parole du professeur Maurice Kamto, qu'on le veuille ou pas, fait bouger des lignes. Le landerneau politique a quelque peu été mis à mal pendant près d'une semaine, et je sais que cette actualité va rebondir parce que cela va donner une fois de plus de la possibilité au professeur Kamto et à ses affiliés, à ses sympathisants d'être requinqués, d'aller à la charge, et pourquoi pas une fois de plus. Et on sait que quand il va faire cela, le gouvernement, la République et ses affiliés vont également se mettre en branle. Alors, il y a l'honorable Jean-Michel Nitieu qui dit que les Camerounais ont d'ailleurs découvert hier qu'ils peuvent et doivent même vaincre la peur malgré le climat de terreur. Oui, vaincre la peur, simplement, pourquoi ? Parce que beaucoup, certains d'entre eux ont quand même eu le courage de braver les Mamiwata, comme on les appelle, ces gros engins qui envoient des jets d'eau. Sur des manifestants. Ils ont réussi quand même à braver le gaz lacrymogène. Beaucoup sont restés terreux chez eux, comme je le disais, mais certains ont le courage quand même de sortir. Ça montre quand même qu'il y a une possibilité de faire bouger les lignes. Mais il faut dire que cela ne date pas d'aujourd'hui. Cela ne date pas d'aujourd'hui parce que quand on présente la manifestation du 22 comme étant cette manifestation-là qui a fait bouger les lignes, rappelez-vous de février 2008. Février 2008, pendant près d'une semaine, le Cameroun était dans les mois, en ébullition, et une manifestation qui n'avait été menée par personne, gérée par aucun leader politique, aucune force politique, aucune force d'alternance. Les Camerounais, individuellement, sont descendus dans la rue pour dénoncer un certain nombre de choses, notamment la cherté de la vie. Vous vous rappelez qu'au lendemain de cette manifestation-là, le chef de l'État avait pris une batterie de mesures pour permettre aux Camerounais de vivre décemment, même comme dans la pratique, cela n'a pas été toujours le cas. Donc, cette manifestation n'est pas une première. Elle n'atteint même pas au dixième la manifestation que les Camerounais ont vécue en février 2008. Mais toujours est-il... c'était tout de même le jour le plus attendu, on a observé. C'est justement parce que le professeur Kamto, je l'ai dit tout à l'heure, réussit à faire bouger les lignes. Il réussit à faire modifier l'agenda politique au Cameroun. Il réussit à faire sortir les uns
et les autres dans leur carcan quotidien. Et je crois qu'il nous permet même de comprendre quels sont les affidés du pouvoir, quels sont les apparatifs de l'opposition due, quelles sont les attentes même de ces personnes qui revendiquent. Donc pour moi, c'est cette vision-là que j'ai du professeur Maurice Kamto. Ça ne se trouve pas nécessairement au niveau des marges. Il a quand même, ça veut dire que si le professeur Kamto décide aujourd'hui, même à partir de son domicile, de réunir, il n'a même pas nécessairement besoin de réunir la presse, de faire une publication sur son compte Twitter ou sur sa page Facebook, faire relayer cela en disant que samedi prochain, les Camerounais doivent se mobiliser pour descendre dans la rue. La même mobilisation aura lieu, la même mobilisation va se ressentir, ce qui veut dire quand même que d'une manière ou d'une autre, il est l'une des forces politiques incontestables pour l'instant au Cameroun. Alors, quelqu'un disait, pour parler comme de façon triviale, qu'il a essayé et ça a marché. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est l'une des forces, qu'on le veuille ou pas, politiques de l'heure, qui est capable quand même de faire bouger les lignes, qui est capable de faire sortir tous les chefs Sawa du Vouri. Il est capable de faire sortir le maire de la ville, tous les ministres, toutes les élites. En réalité, il est capable de faire. Donc, en fait, comme on dit, c'est quelqu'un qui a... En fait, c'est un candidat à l'élection présidentielle qui n'aurait pas gagné cette élection au regard des résultats officiels qui a eu 14% de manière assez approximative, mais qui a réussi quand même à faire bouger tout le landerneau politique camerounais. Je crois que c'est formidable et les jeunes de plus en plus doivent s'impliquer dans la gestion des affaires politiques. On l'a dit ici, le but n'était pas nécessairement de renverser les institutions, le but n'était pas nécessairement de chasser Paul Biya du pouvoir, le but était quand même de faire entendre sa voix. Et je crois que ces Camerounais-là continuent à faire entendre leur voix. Parce que le Cameroun n'est pas suffisamment bien géré, qu'on le veuille ou pas. Il y a des choses qui marchent par endroits, mais il y a des choses qui ne marchent pas du tout. Je vous rappelle, on en parlait encore ici. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont, à l'heure où nous parlons, sans cadre national d'identité. Pour autant, ils ont fait toutes les démarches nécessaires depuis plus d'un an. Beaucoup n'ont pas de passeport. Beaucoup ont été à l'école, n'ont pas accès à l'emploi. Il y a beaucoup de choses à résoudre. Quand vous regardez le décor présenté parfois, même comme ça fait très souvent rire, dans les réseaux sociaux ou dans quelques journaux de la place, vous vous rendez compte que dans l'arrière-pays, on vit très mal. On n'a même pas accès. On a de la peine à se rendre dans son village. Nous sommes la Sanaga-Maritime pour aller en Sanaga-Maritime, notamment dans nos villages respectifs en saison pluvieuse, c'est la croix et la bannière. Donc, il y a autant de mots comme ça. On va aller étape par étape, parce qu'il y a eu plusieurs autres réactions également à la suite de cette annonce et même de cette journée. On voit bien qu'il y a l'un des présidents, le président national du Front Uni du Cameroun, le FOC, c'est comme ça que ça se prononce. Il a réagi à la suite, Jean Diega, qui dit que Douala était paralysé carrément à 90%. Ça avait l'air d'une ville morte, carrément. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Au regard des images, à Yaoundé, où j'y étais personnellement, on a battu un peu le macadam pour savoir exactement comment vit la ville. Les choses se sont plus ou moins bien déroulées, mais je dis, il y avait une ambiance de ville morte quand même. Les boutiques, qu'on le veuille ou pas, sont restées fermées. Voilà. Mais si vous êtes ceux qui sont rendus quand même du côté de l'avenue Kennedy, ça bouillait de monde, au marché central, ça bouillait de monde. Les villes, l'essentiel, dans le centre urbain quand même, ça tournait dans les arrière-coins, comme 100 mm, vous avez vu les images. Il y a eu quelques petits mouvements, mais je dis, Yaoundé a quand même respiré, comme disait un illustre défenseur. Alors, à la suite de ça également, les reporters, je veux dire, les journalistes ont été brutalisés, molestés par certains hommes en tenue, et qui, selon la presse, ont raté leur cible. C'est pitoyable. C'est pitoyable de savoir qu'au XXIe siècle, on continue encore à traiter des journalistes comme des parias de la société, alors que nous sommes des objecteurs de conscience, des historiens du présent. C'est grâce à nous si les choses bougent, que le veuillent ou pas. Nous sommes là pour relayer exactement ce qui se passe sur le terrain. Nous ne sommes pas là pour nécessairement dépeindre la réalité ou nuire aux gens ou empêcher les gens de tourner en rond. Oui, c'est notre devoir, c'est notre obligation. Qu'on le veuille ou pas, qu'ils continuent à nous bastonner, nous allons faire notre travail. Qu'ils continuent à nous incarcérer, nous dire
dirons la vérité au prix de nos vies, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça, mais c'est pitoyable qu'au 21e siècle, qu'on continue à le faire. Mais je dis encore beaucoup de courage à tous les journalistes qui ont été plus ou moins secoués dans l'exercice d'un métier, parce qu'un vrai journaliste de terrain n'a pas peur de cela. C'est justement ce que le maintient en vie. En fait, c'est comme l'adrénaline. Hein. Quand on est dans ces conditions-là, on comprend effectivement que... Oui, nous sommes des guerriers de la plume, du micro et même parfois du petit écran, simplement parce que notre devoir est d'aller fouiller, d'aller dire exactement. Le journalisme où on peint nécessairement tout en blanc, tout en rose, ne fait pas avancer un pays. Nous avons le devoir de dire exactement là où ça fait mal, mais également le devoir de dire les choses quand elles se font bien. D'accord. Donc, lorsqu'on parcourt le dossier de la nouvelle expression, on peut comprendre également que, parlant de ces marches et de cette journée, le RDPC s'affronte ou s'est affronté hier à Ibolova, parce que les militants du MRC devraient, ou alors entendaient marcher. Le MRC a plutôt organisé, le RDPC, pardon, a organisé une marche, mais une marche qui a tourné en bourrique parce que les militants entre eux se sont retrouvés en train de s'étriper un peu. J'ai pas lu le reportage, j'ai pas eu malheureusement cette information de manière très directe, mais il est clair qu'il y a eu des contre-marches qui ont été observées dans quelques endroits du pays. Vous avez parlé de Bolova, il y a également San Melima, où des gens sont sortis pour soutenir pour le président Paul Biya. C'était annoncé à Douala, malheureusement, cela a été étouffé dans l'œuvre. Mais c'est tout à fait normal. Hein. À côté, il y a ceux qui se servent du régime, il y a ceux qui servent le régime, et il y a eu ceux qui écoupe malheureusement, qui souffre au regard de la gestion d'un certain nombre de dossiers. Cela fait partie de la vitalité de la politique et de la démocratie. Le plus important, je dis, c'est que les libertés individuelles et collectives avancent, que la démocratie avance, et pour qu'elle avance, il faudrait justement ce type de manifestation, parce qu'aucun pays au monde n'a été véritablement démocratique sans qu'il y ait ce genre de mouvement, sans qu'il y ait des soulèvements, sans qu'il y ait des gens qui descendent dans la rue. Rappelez-vous de la prise de la Bastille. Rappelez-vous de tout ce sang qui a été versé ailleurs pour arriver à ce degré de liberté et de démocratie. Mais je dis, la démocratie en elle-même n'est pas un modèle à calquer ailleurs. Chaque pays se fait sa démocratie en fonction de ses considérations, en fonction de son vécu. Le Cameroun avance à son niveau. Il y a beaucoup d'imperfections qu'on peut corriger, parce que quand on parle par exemple de code électoral, quand on parle de la gestion des manifestations, notamment au niveau des déclarations, il y a beaucoup d'insuffisances comme ça, mais je crois quand même que progressivement, c'est un jet, progressivement les choses vont avancer. Voilà. Donc, et là, parlant de cette marche pacifique toujours, Human Rights Watch soutient Kamto, c'est du moins ce que l'on peut retenir d'une publication, en tout cas sur le site même de l'organisation, c'était le 21 septembre dernier, qui rappelait quand même que le Cameroun a des droits, ou les Camerounais ont des droits qu'il faut respecter. Oui, mais les droits universels n'empiètent en rien, ou les droits... la justice telle que pratiquée dans un pays n'empiète en rien les lois universelles. Il est en principe, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque démocratie s'adapte au principe du temps et à ses réalités. On ne va pas appliquer la démocratie comme on devrait l'appliquer en France, aux États-Unis, et même d'ailleurs les États-Unis qui sont un pays de liberté. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Freud à cause du racisme. Il y en a tous les jours, des actions sont enregistrées aux États-Unis au quotidien sur les Noirs. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui, le monde étant un village planétaire avec la société de l'open data. On tue au quotidien aux États-Unis. Rappelez-vous de ce qui se passe à Harlem. C'est quand même l'une des contrées où le taux de mortalité est assez élevé, de crime est assez élevé. Donc, même les États-Unis, où on parle de démocratie, où on parle de liberté par essence, on vit des atrocités parfois inqualifiables, injustifiables. Donc, progressivement, vous avez vu, à Berlin, en Allemagne, je veux dire, les Camerounais ont été chargés. Notre ami Wilfried Ekanga en a eu pour son compte le 19 septembre dernier, samedi dernier, au cours d'une marche qui a été organisée de ce côté. Donc si là-bas, même là-bas, on peut charger, imaginez ce qui peut se faire dans un pays en voie de démocratisation comme le nôtre. D'accord. Alors, le titre de repère ce matin parle de pillage des caisses publiques en première ligne en rapport avec cette marche. Oui, mais... Combien on a dépensé pour contrecarrer les actions du MRC sur le terrain ?
beaucoup d'argent, selon bien sûr le journal. Le journal puisse nécessairement sa source quelque part, je ne peux le dire de manière péremptoire, mais une chose est sûre, l'argent a été débloqué pour mettre du carburant dans tous ces véhicules qui ont circulé tout au long depuis plus d'une semaine. Cela a coûté nécessairement de l'argent pour mobiliser toutes ces forces, même comme elles étaient dans l'exercice quotidienne régalienne de leur métier. On ne peut pas dire qu'on a débloqué un agent particulier pour donner aux militaires qui sont descendus dans la rue pour contrecarrer toutes ces actions-là. Mais une chose est sûre, l'agent a été débloqué. Je suis convaincu que même au niveau de la communication, des communications qui ont été faites, même au niveau du ministère de la communication, on a déployé nécessairement un trésor pour organiser ces conférences de presse-là, pour organiser ces rencontres avec la presse, avec les hommes de médias, ces hommes, ces chefs traditionnels et toute cette batterie de personnes sorties pour donner leur point de vue ont nécessairement, on ne sait pas, mais toujours est-il que l'agent est sorti, même si ce n'était pas à la hauteur de ce que dit le journal européen, mais toujours est-il que l'agent a été débloqué. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, le professeur Camteau nous a démontré qu'il peut faire débloquer autant d'agents que possible, toutefois que l'envie lui prend. Voilà, donc le messager de ce matin qui parle donc des marcheurs qui défient les abeilles et Cameroun Tribune qui fait savoir que c'était une sorte de pétard mouillé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Yaoundé, les gens ont bougé, le centre-ville n'était pas étouffé, il y a eu quelques échauffourées d'après les informations que nous avons de ce côté, à Douala, dans beaucoup de localités, les gens ne sont peut-être pas sortis vaquer à leurs occupations parce que la doise, s'il faille peut-être calculer la doise en termes de pertes, est énorme. Je vous rappelle que le marché Mbopi, le marché, beaucoup de boutiques sont restées fermées pendant toute la matinée d'hier. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas fonctionné normalement. Il y a, ça a été également enregistré du côté du marché central. Donc, il est clair que, d'une manière ou d'une autre, ce n'était pas un pétard mouillé que ça. Le professeur Maurice Camteau a réussi à faire bouger les lignes. Ça n'a pas été, peut-être, ce n'était pas la grande débandade que l'on croyait. Les autorités ont également pris des mesures coercitives pour encadrer cela. La preuve, le professeur Maurice Camteau lui-même n'a pas eu la chance de vivre cela en direct, n'a pas été témoin de l'histoire en battant le macadam, simplement parce qu'il a été consigné à résidence. Il est resté bloqué chez lui. Donc on parle de séquestration, mais toujours est-il que ce n'était pas un pétard si mouillé que ça. Voilà. Il y a eu marche, il y a eu, le Cameroun a été quelque peu mort pendant plusieurs heures jusqu'à midi par endroit et voire plus ailleurs. Donc je crois que c'est quelque chose, ce sont des leçons qui méritent d'être tirées. Et je crois que l'on devrait plutôt que de continuer à étouffer les marches dans l'œuf, on l'a toujours dit, permettre aux Camerounais, la Constitution le dit, la loi le dit, les encadrer, pas nécessairement les interdire systématiquement, les encadrer, même comme la même loi, l'article, je crois, la loi 140 de la constitution de ce pays permet jusqu'à un niveau de le faire et donne également des prérogatives aux chefs, aux sous-préfets de les interdire quand ils estiment que cela porte atteinte à la sûreté de l'État, encore moins à l'insécurité des personnes et des biens. Mais je crois qu'on ne devrait que d'empêcher nécessairement les gens de marcher. On peut les laisser dire ce qu'ils pensent en les encadrant. Hier, Dieu merci, il n'y a pas eu de casse. On avait demandé cela ici. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de pneus brûlés parce que la facture, généralement, quand on sort de ce genre d'opération, est très souvent lourde et c'est toujours le contribuable camerounais qui finit par payer. Alors, autre chose dans la presse également ce matin, même si Émergence se pose la question, comment Paul Biya a réussi à étouffer la marche de Camteau, il y a la nouvelle instruction qui revient par le boycott des régionales. Le SDF répond à Famine Dongo à la suite de ce boycott des élections des régionales, beaucoup plus annoncé par le Social-Démocratie France. Oui, mais c'est de leur droit, non? C'est de leur droit. Maintenant, que le professeur Jacques Famine Dongo, l'avez lu, estime que ce n'est pas ce qui devrait être fait. C'est du droit de tout un chacun. Chaque parti politique est libre
de conquérir les suffrages des Camerounais. Je vous rappelle que là, il s'agit d'une élection indirecte. Ce sont les conseillers municipaux qui ont été choisis dans les 300 communes, dans les 360 communes qui vont voter, qui vont choisir les différents représentants au niveau des régions. Donc, moi, je dis, le SDF est libre de participer à cette élection ou pas. Le dernier délai était hier. Les dossiers n'ont pas été déposés. Donc, il est clair que jusqu'à présent, le RDPC, le PCRN et quelques autres formations politiques pourront concourir à cette échéance-là. Le SDF a décidé volontairement de le faire au regard d'un certain nombre d'arguments avancés, notamment la non-résolution de la crise anglophone. C'est le principal argument avancé jusque-là par le Social-Démocratique Front. Allez, laissons la politique et notamment les manifestations, je veux dire les marches. Pour parler du Covid-19, 200 000 morts aux États-Unis. C'est rapporté à la population, en tout cas, le coronavirus tue chaque jour, qui continue d'ailleurs, parce que les mesures barrières ne sont pas respectées. En Afrique, quand même, ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Les Noirs, les Africains précisément, les Camerounais se sont battus à leur niveau pour calmer ou tout au moins stopper peut-être ou calmer la situation, l'évolution de la maladie. C'est vrai que vous vous rappelez quand on avait annoncé la Covid-19 en Afrique, Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies, avait dit que l'Afrique, ça sera l'hécatombe. Il faudrait que les pays développés, entre guillemets, mettent des moyens colossaux pour permettre à ces pays, à ces États de l'Afrique, de faire face à cette pandémie. Parce que si les uns et les autres ne s'engagent pas, il y aurait des milliers de morts, des millions de morts en Afrique. Aujourd'hui, je crois que la nature a fait dédire toutes ces personnes-là, ou l'Afrique et les Africains ont réussi à transcender cette maladie, pas du fait du respect des mesures barrières, ça il faut le dire. Faites un tour dans les marchés, vous verrez bien que les mesures barrières ne sont pas respectées du tout. Dans les différentes entreprises, les mesures barrières ne sont pas du tout respectées. C'est dans la rue. C'est l'unité collective. Du tout. Au-delà de l'unité collective, j'ai comme l'impression, peut-être pas par rapport à la maladie, mais par rapport à d'autres aspects liés peut-être à la morphologie de l'Africain, liés peut-être au climat, liés à un certain nombre de choses. Mais je vous rappelle que le fait d'être africain ne donne pas cette immunité-là. Parce que les Africains qui vivent en Europe n'ont pas la même immunité que nous qui vivons nécessairement, qui passons l'essentiel ou beaucoup plus de temps en Afrique, notamment au Cameroun. Donc c'est peut-être lié au climat, c'est peut-être lié au mode de vie, mais je crois que ce n'est pas lié nécessairement aux mesures barrières. Bon, parce que la simple grippe, la contribution de la pharmacopée, la simple grippe fait des morts en Europe. Quand on vous donne, par exemple, le taux de mortalité dû à la grippe ou dû aux maladies comme le cancer et tout cela, vous vous rendrez compte que en réalité les Africains, le taux d'espérance de vie par rapport à ces maladies là est assez élevé. Donc il faut continuer à croire que Dieu aime beaucoup l'Afrique, Dieu aime les Africains. Donc il faut respecter les mesures barrières de toute façon. Qui nous a donné cette pharmacopée africaine. Prenez cette pharmacopée, amenez-la en Europe, elle ne donnera pas les mêmes résultats. C'est ce que je suis en train de dire, Flavien Dongo. Dieu a beaucoup aimé l'Afrique, à mon sens. Non, il continue d'aimer l'Afrique, de toute façon. Et c'est pour ça qu'il faut également, pour l'accompagner dans cet amour, il faut continuer à respecter les mesures barrières. Alors, c'est on voit essentiel. Bien, vous l'avez dit, dans certains marchés, des gens qui ne respectaient plus, qui ne portent pas de masques, des gens qui ne respectaient non plus la distanciation sociale. Tous ces éléments doivent être quand même respectés pour permettre à ce que le virus continue son bonhomme de chemin, puisqu'on continue également d'enregistrer des cas positifs. Oui, même comme l'enseignant Kléga a dit que nous avons vaincu la Covid-19, même comme la pharmacopée africaine continue à faire des miracles, même comme, peut-être comme vous le soulignez tout à l'heure, l'immunité collective continue à nous protéger de cette maladie-là, mais je continue à croire que nous avons tout intérêt à
respecter les mesures barrières, le port du masque obligatoire dans les milieux publics, le lavage systématique des mains, à défaut l'utilisation du gel hydroalcoolique. Faites un tour aujourd'hui même dans les supermarchés, et toutes les mesures qui avaient été prises hier ne le font pas. Et parfois même quand, il faut l'observer, quand les Camerounais partent se laver les mains, à peine ils frôlent de l'eau qu'ils quittent. Mais non, il faut quand vous décidez de laver les mains, lavez-les correctement comme cela a été enseigné pour éloigner les germes autant que possible de nos mains et également de notre environnement. Donc tout le monde est appelé à continuer à lutter pour que la Covid-19 soit un lointain souvenir pour le Cameroun, pour les Africains, mais également pour le monde entier, même comme cela continue à faire des victimes ailleurs. Très bien, alors je vous dis merci parce que vous vous êtes retrouvés seuls et vous vous êtes battus également comme un bon soldat. Toutes nos excuses à nos chers téléspectateurs parce que vous devriez être deux, comme d'habitude, mais seulement pour des raisons indépendantes de notre volonté, votre vis-à-vis n'a pas été là. Mais je vous souhaite de passer une très bonne journée. Pareil à vous. Et je permets également aux lecteurs d'aller lire ce que la presse propose et de pouvoir également partager avec les uns les autres aussi sur le traitement réservé, le traitement de l'actualité réservé justement ou proposé par la presse ce matin. Demain, ce sera jeudi et il sera 9h20 sur ce plateau pour une autre édition.